Bouteille, bouteille, tu es mon ami, ma bouteille. Je n'ai plus que toi. Voilà, c'est la nuit. Je vais m'endormir. Et ça va recommencer encore et encore. Des fois, je me dis, je n'ai qu'à avancer. Et voilà, le métro passe. Et ça sera fini. Ça sera terminé. Je vais enfin les rejoindre. Ah ouais. Je le ferai un de ces jours. Je le ferai. Monsieur et Madame Gary, je voudrais être honnête avec vous. La tumeur progresse malgré le traitement qu'on a effectué. Nous allons devoir discuter d'un nouveau protocole avec le professeur Friedman. On verra ça dans 2 semaines, car la faisabilité de ce traitement dépendra du nouveau bilan qu'on vient de faire. Donc je vous laisse 2 semaines pour rester en famille avec votre petit garçon et puis on verra par la suite. Voilà. Et pourquoi maintenant, ton Dieu là, il ne te guérit pas? Il fait des discriminations? C'est n'importe quoi. Soit il guérit, soit il guérit pas. C'est... Voilà, on va s'arrêter juste là. Oui, là, il y aura une voiture avec un garage. À droite, et tu t'arrêtes. Voilà. Et... Ah, oui, je comprends. Non, 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 non. Vous ne comprendrez pas. Vous n'êtes pas à ma place. Ne dites pas que vous me comprenez. Regardez ça, regardez, vous voyez ça? Ce sont des cheveux tombés suite à des chimiothérapies qui n'ont pas marché. Vous savez, les médecins m'ont donné 2 semaines. Mes derniers bilans sont catastrophiques. Il n'y a plus d'espoir. Dans 2 semaines, je vais laisser mon petit garçon. Ah, le petit garçon que vous voyez là. Alors, vous pensez toujours que je ne vous comprends pas. Pardon, pardon, je suis désolée. J'avais pas. Je suis désolée. Ne soyez pas désolée. C'est normal. Vous êtes dans la douleur. Mais vous êtes ma dernière mission. Je connais votre visage.